Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce nouvel event de collaboration avec Final Fantasy Record Keeper. Et donc du coup avec petit Gilgamesh à affronter. Bon, on va voir un petit peu jusqu'où on va arriver à aller, hein, bien sûr. Et puis advienne que pourra, hein, comme on dit. On a donc des petites récompenses, bien sûr. Il y en a toujours à récupérer. Ah là là, le Kefka. Par contre, pourquoi c'est loin qui est de là-bas? Je ne sais pas. Bon, là c'est la mise en bouche, hein, bien sûr. Après, ça ne sera pas la, ça ne sera plus, pardon, la même histoire. Alors voilà, 400. Voilà, ça prend en puissance progressivement. Et j'ai bien dit progressivement. Voilà, du combo, toujours le combo. Bon, par contre, a priori, les dernières... les deux dernières confrontations... Enfin, les dernières confrontations... La dernière confrontation respective entre les deux, à mon avis, ce sera pas la même histoire. Ouais, je partirai sur 1000 là pour la prochaine vague de deux combats. Partirai sur 1000 là. Non, 800 gentillés, d'accord. Bon. Ouais, c'est pas une mission, c'est pas une. Une mission experte, donc effectivement, il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit. Bon, quand ça vaut les points de vie. Hein, on...
Bon, ça va. Mais je pense qu'il faudra quand même que je change une broutille ou deux. Ça, c'est l'idée, c'est pas forcément un gros niveau, mais ça a beaucoup de points de vie. On va partir avec ça et puis on verra bien ce que ça donnera. Il a un peu moins de vie, de points de vie. Bon, du coup, il a plus de points de vie encore. Ah! D'accord, une contrainte supplémentaire, génial! Et l'autre, ça va être que les ténèbres. D'accord, il me bourride en plus la saleté. Bon, bon, bon. Et pourtant, j'ai une défense boost 4 hein, en plus. Ah, qui doit être de la médaille alliée, ça. Thank you.
ça fait beaucoup de pertes, des médailles qui n'utilisent pas leur attaque spéciale. Bah, c'est un bel échec, mais bon, je m'en doutais un petit peu que ça devait arriver, ça, mais je n'ai pas pensé que ça arrive aussitôt en fait. Bon, on va aller faire le petit tirage de gratos. C'est le nouveau. Est-ce que c'est celle-là que j'ai en pagaille? Oui, c'est bien là, c'est bien celle-là, la 48. Ah, mais c'est génial! Ah, mais va falloir que je fasse des tirages dessus. Bon, avant ça, on est sérieux, 2 minutes. Voilà, hop, le tirage gratuit sur la bannière de Record Keeper. Est-ce qu'on va obtenir des choses intéressantes? Telle est la question. D'accord, une même médaille de lumière. Wow, il y en a quand même quelques-unes de ténèbres aussi. D'accord, donc Terra, et on a donc 86 qui doit être lié à Cloud, ça. Non, Lightning, pardon, Lightning, ça. Lightning, le sprite. On sait, tu dis 3, Spectruc. Ouah, c'est pas exceptionnel, quand même. C'est bien. Ok, bon, c'est bien ça. Voilà, oui, forcément, de Terra que j'avais pas du tout. Hein. Bon, le truc qui est chiant, c'est que pour la garantie, il faut payer le VIP. Ça me gave. C'est pareil de l'autre côté. Bon. On va se faire troller encore, hein. Mais j'aime ça. Donc la première, ce sera pas du... Oh! 2 nouvelles 7 étoiles. D'accord, belle. Ah, j'ai dit InVX, ok.
Bon, à un moment donné, vu tout ce que j'ai, tout ce que je vous ai balancé sur celle-là, ça serait bien que vous me la filiez quand même, c'est féroce. Ah ben non, toujours pas, hein. Bah oui, je reste focus, hein, mais bon, vu tout ce que j'ai qui traîne. Oh, mise en kikine. Bon, bah, je vais faire de faire du tri un peu avant. Mais qui sont chiants. De toute façon, j'ai compté le nombre que j'aurais eu de traits de médaille de Sephiroth pour savoir combien j'ai dépensé là-dessus, parce que... Non, ça, ça. Mais encore cette truc de merde. Putain, mais varié un peu... C'est chiant. Ils sont chiants. Allez, juste pour rigoler. Vu que c'est 3000 à chaque fois, le calcul est vite fait. Hein. Donc, 2, 4, 6, 7, donc 14, 16, 18, 19. 19. Alors, c'est presque 60 000 GM déjà dessus. Toujours pas de médaille. Prêcher le taux de drop, il est ridicule dessus, mais... Bon, certains, ils tombent tout alors qu'ils sont pas forcément payer. Tous les boules, quoi. Ouais, 0,45%, quoi. Youhou! Et le pire, c'est que c'est la plus boostée, hein. Ben, c'est la plus boostée dans... Ah, une Rico Paid. Ouais, vous voyez ce taux-là ? Elle tombe deux fois de suite, en plus. Et je crois une version boostée en plus même. Ouais. Pff, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Bon, juste genre vite fait si... Non, c'était peut-être pas celle-là. Non. Allez. D'ailleurs, c'est censé être celle qu'on a le plus de chances de choper du lot. Avec, bon, avec la carte 19. Et niette. Non, mais c'est fou, quoi. Il a 10 deux fois plus de chance, c'est à 0,9. Voilà, ouais, ça c'est doublé, mais bon. Si c'est...
Bah tant pis, je garderai ma frustration pour moi sur ce super supernova de merde. Puis franchement, franchement, ils emmerdent. Ils emmerdent de toujours mettre les garanties un certain nombre de fois sur avec le VIP. Quoi. Ils emmerdent à souhait. Ben, je suis désolé d'être aussi vulgaire, mais là, franchement, s'il y a bien un truc qui est pire qu'avant, c'est bien ça. On demande pas non plus de remettre comme c'était avant sur des trucs à garantie après 5 tirages, mais de se mettre à 10 quoi. Voilà, ça fait plus à devoir dépenser pour être sûr de l'avoir quoi. Non, c'est même pas une espérance ou quoi que ce soit. C'est. Je continuerai de tester hein, dès que j'aurai un peu plus de fond, mais. Ça m'étonnerait que la chope, hein. Puis, je pense que dans le moment où je la chope, je pense que je ferai une vidéo exprès là-dessus pour faire les traits vraiment. Ben, la booster comme il se doit. Hein. Là, clairement, j'ai ce qu'il faut hein, pour qu'elle soit au top et avec tout ce qu'il faut. Mais bon, malheureusement, ça ne sera pas avant un bon moment, j'ai l'impression. Et bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Union Cross. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.